jour. Nous voilà ensemble pour faire une nouvelle vidéo. Cette vidéo, ce sera pour faire une écharpe. Celle-là, je l'ai faite dans cette couleur rose avec un fil acrylique sur deux brins, et il se vend au kilo. Et un autre, celui-là, je l'ai fait avec un fil Rimbo, Baby Rimbo. C'est un fil qui est fin, numéro 4, c'est un fil moyen, numéro 4, et il est léger. J'ai fait, les mesures que j'ai faites, moi j'ai fait 70 cm. J'ai fait 70 cm de large sur 2 mètres de long. 2 mètres de long. C'est un vrai joli point et très facile à faire, puisque je l'ai crocheté avec un crochet numéro 6,5, un fil 4 et un crochet 6,5, ce qui fait qu'il est léger. Il est léger, c'est bon pour le printemps, les nuits fraîches du printemps. Donc voilà, de quoi on aura besoin, bien sûr, de notre fil, crochet, comme j'ai dit tout à l'heure, 6,5, d'une aiguille pour faire entrer les fils, et puis pour mesurer si vous avez besoin, et un ciseau, une paire de ciseaux. Voilà, on va commencer le point. Donc je prends mon fil et on commence. Je vais commencer par faire, un nœud. Je vais faire le nœud comme ça. Il est très facile à faire et un très joli point, j'adore. J'ai adoré faire celui-là. Je l'ai crocheté pour ma belle-mère. Il est un peu plus lourd parce qu'elle est plus âgée, et donc, mais celui-là, il est très léger. Il est très léger, même parce qu'il est crocheté avec un crochet numéro 6, et ça va rapide. C'est très rapide à faire. Donc on commence, on a dit, on fait notre nœud, et puis on commence à faire nos mailles. Pour celles qui ne savent pas, hein, on fait un jeté et on tire une boucle. C'est comme ça qu'on fait les mailles. Donc on va faire ensemble un certain nombre de mailles. Voilà. Voilà, je ne sais pas quel est le nombre, mais on va travailler et on va voir. Donc, je commence par faire 4 mailles chaînettes. Ensuite, je fais un jeté et je reviens 1, 2, 3, 4. Dans la cinquième, je fais une bride. Je tire une boucle, un jeté. Je laisse, je fais sortir 2 boucles, un jeté, et je fais sortir les 2 dernières boucles. Ça, c'est une bride. Ensuite, je fais 2 mailles chaînettes et je compte. Ici, j'ai travaillé dans cette maille. J'ai travaillé, donc je compte 1, 2, 3, 4, 5. Dans la 6e, je fais une bride. Une deuxième bride. Je vais faire 4 brides dans la même maille. Je suis en train de travailler dans la même maille, dans la 6e. Donc je fais 4 brides. Donc je continue. Voilà, j'ai 4 brides, 1, 2, 3, 4, je fais 2 mailles chaînettes et un jeté, je reviens dans le même point et je fais une maille, une bride, je fais une bride, une autre bride, voilà. J'ai fait, on a laissé 5 mailles dans la 6e, on a travaillé 4 brides, 2 mailles chaînettes et une bride. Je fais 2 mailles chaînettes, 2 mailles chaînettes, et je fais la même chose. 1, 2, 3, 4, 5. Je saute 5 mailles. Je vais dans la 6e. Je m'introduis et je fais les 4 brides. 1, 2, 3, 4 brides. Je fais 2 mailles chaînettes, un jeté, et je reviens dans la même maille pour faire une bride. Donc voilà, je continue ma bride. Donc on travaille dans la même maille, une seule maille, on travaille 2 mailles chaînettes, je saute encore 1, 2, 3, 4, 5, et dans la 6e je fais un jeté, je vais refaire le même travail. 1, 2, 3, 4 brides, 2 mailles chaînettes, et je viens dans la même maille pour faire l'autre bride. Donc regardez, on a toujours 4 brides avec une séparation ici par 2 mailles chaînettes et une bride. Maintenant ici il me reste, je vais voir, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai pas 6 mailles. Donc si vous arrivez comme ça, vous n'avez pas compté le nombre de mailles et vous tombez comme ça avec un nombre insuffisant pour faire le motif. Et qu'est-ce que j'ai fait après? Je suis venue là à mon point de départ et j'ai défait ici. Je regarde, je fais comme ça et je défais les mailles en plus. C'est très facile à faire. Par exemple, comme ça, vous faites comme ça. Vous allez défaire les mailles. Comme ça, vous n'avez pas un reste de maille chaînette qui va pendre. Non, on fait comme ça. Et ça y est, j'arrive là comme ça. Maintenant, si vous tirez, vous allez faire tomber vos mailles. Donc, vous tirez le fil comme ça. Ça y est. Donc, voilà, j'arrive. Regarde. Et c'est ce que j'ai fait. Je passe maintenant. Donc j'arrive à j'ai fait mon dernier motif. Le dernier motif, j'enlève les... Je fais que 4 mailles, que 4 brides. Dans parce que tout à l'heure, je pensais que j'allais avoir 6 mailles. Il me fallait sauter 5 et dans la 6e travailler. Et comme j'en avais que 5, donc j'ai défait les mailles chaînettes que j'avais. Et celui-là devient mon dernier motif. Et mon dernier motif, je fais les 4 brides, mais je ne fais pas les 2 mailles chaînettes. Et je fais que 4 brides. À la fin du rang, je fais 4 brides. Donc, je commence mon deuxième rang en faisant 4 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4. 4 mailles chaînettes ou 4 mailles en l'air. Et je vais faire un jeté. Je reviens ici dans la première maille. Dans la première maille que j'ai là, je m'introduis et je vais faire une bride. Ici, c'est comme si vous aviez une bride représentée par 3 mailles en l'air, une maille en l'air et puis une bride. Donc, c'est comme ça. Donc, on fait 4 mailles chaînettes et une bride dans la première. Je vais faire 2 mailles chaînettes et je fais un jeté et je vais aller ici. Regardez mon motif. Rappelez-vous, on avait les 4 brides, 2 mailles chaînettes et une bride. Donc moi, je m'introduis ici, dans ce vide-là, dans cet espace-là. Je vais m'introduire. Donc je fais un jeté. Je vais m'introduire dans cet espace et faire 4 brides. 1, 2, 3, 4. Donc voilà mes 4 brides. Ensuite, je fais 2 mailles en l'air et ensuite je vais faire une bride dans le même espace. Dans le même espace, les 4 brides là, je les touche pas. Donc, dans le même espace, je fais, voilà ce que ça donne. Ensuite, je fais 2 mailles chaînettes et je vais aller dans l'espace suivant. Ça, on ne touche pas. Ici, on ne travaille pas. On va ici dans l'espace formé par la bride là et les quatre, entre l'espace formé entre la bride, la dernière bride et les quatre brides. Donc, je vais aller ici m'introduire, faire 4 mailles, 4 brides. Encore. Dans cet espace, j'ai fait 4 brides, 2 mailles chaînettes, 1 bride. Et je fais 2 mailles chaînettes et je saute tout pour aller dans l'espace suivant. Dans l'espace suivant, et je refais le même travail qu'ici. Je vais vous montrer sur... Voilà, j'enlève ça, puisque c'est rose. Regardez. Donc voilà, vous avez vos quatre brides. Tout le travail, tout le motif se fait dans cet espace entre les... dans cet espace entre la bride et les 4 brides. Donc je continue. Je fais 4 brides dans cet espace. Deux mailles chaînettes. Je reviens dans le même espace pour faire ma bride. 2 mailles chaînettes. Et là, au début, on avait fait les 4 mailles chaînettes et une bride. Donc, je vais aller m'introduire. C'est mon dernier motif. Rappelez-vous, on a dit que le dernier motif, on fait que 4 brides dans le dernier motif. Quand on arrive à la fin du rang, on fait que 4 brides. Regardez, donc j'ai fait 4 brides là. Comme ici, il n'y avait que 4 brides. On fait ensuite 4 mailles chaînettes et une bride dans la première maille. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais faire 4 mailles. C'est un rang qui va se répéter. Je fais que répéter avec vous, comme ça vous allez le retenir facilement. Donc vous faites 4 mailles en l'air, ensuite une maille jetée pour aller faire une bride dans la première maille. Voilà, maintenant je vais faire 2 mailles en l'air. Le motif sont toujours séparés par 2 mailles en l'air, pas plus. Donc et je vais faire un jeté et je vais aller travailler. On travaille toujours dans cet espace entre les motifs. Donc en travaillant, il ne faut pas l'oublier. Donc, je vais faire 4 brides dans cet espace, 2 mailles chaînettes, ensuite une bride dans le même espace. Voilà, j'ai fait mes 4 brides, 2 mailles chaînettes, je fais un jeté, je reviens dans le même espace pour faire ma dernière bride. Et en revenant, c'est dans cet espace-là que je vais travailler. Et ainsi de suite. Donc, je vais continuer avec vous un peu. Donc là, j'ai fait 2 mailles chaînettes et je me suis déplacée dans cet espace. Je suis partie dans cet espace et là, je vais faire 4 brides, 2 mailles chaînettes, une bride. Voilà. Mes 4 brides, 2 mailles chaînettes, 2 mailles en l'air, moi je dis 2 mailles en l'air, et je reviens dans le même espace pour faire une autre bride. Vous voyez, c'est un motif qui va aller verticalement et c'est très joli à voir. Donc ensuite, une fois fini mon motif, je vais séparer, les motifs sont séparés par 2 mailles chaînettes. Et comme là j'arrive à la fin du rang, je vais faire que 4 brides. Je me déplace dans cet espace, le dernier, formé par ces 2 brides-là. Donc, et dans cet espace, on ne fait que 4 brides. On ne fait pas 4 brides, 2 mailles chaînettes et une bride. Non, on fait que les 4 brides. Ensuite, sur ces 4 brides-là, je fais 4 mailles chaînettes et je reviens dans la première maille pour faire une autre bride. C'est ce qu'on va faire. Vous allez le répéter et vous saurez que c'est très 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 facile. Vous allez vite le retenir. Voilà. Une fois arrivé, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? on va faire 4 mailles chaînettes. Donc je fais mes 4 mailles chaînettes, 3, 4, je tourne mon travail et je fais un jeté pour aller dans la première maille, dans la première, et je fais une bride. Voilà, ça c'est la bride, c'est dans cette espèce-là que je vais travailler la fin du rang, avec, dans 4 brides. Maintenant je sépare ce motif-là avec le suivant, par 2 mailles chaînettes, je fais un jeté et je saute tout ça pour aller, dans cet espace. Hein, je fais mon jeté et je vais aller dans cet espace pour faire mes 4 brides. Le motif qu'on avait travaillé depuis le début. Donc à force de le répéter, il est très facile et vous pouvez finir votre châle maximum, même si vous ne travaillez pas beaucoup, 2 jours. Alors, pas 2 jours continu, hein, mais c'est très rapide à faire. Parce que le crochet, le fil, il est moyen et le crochet assez épais, donc ça va vite. En plus avec, et c'est pas léger, mais ça tient chaud quand même. Regardez, donc j'espère que vous l'avez retenu et que vous allez avoir le même plaisir que j'ai eu à faire vos châles. Voilà, donc je finis ce rond, donc je fais mes 4 brides. Et 2 mailles chaînettes et une autre bride dans le même espace. Regardez. Même avec un crochet numéro 6, celui-là parce qu'il est fait sur 2 brins, il est un peu épais, mais pas beaucoup, hein. Il n'est pas lourd. Mais celui-là, il est magnifique avec ce fil, c'est le même fil, mais en gris, c'est le même fil, un fil numéro 4, mais il est léger, il est magnifique. Regardez ce que ça donne. J'espère que vous avez aimé, que vous allez aimer faire cette écharpe et que vous avez compris mes explications. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et si vous avez aimé la vidéo, un like me fera vraiment plaisir. Mais merci, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.